Pas nous desservir. Madame est servie. Comme d'habitude. L'avertu. Cherchez-nous, monsieur le duc de Narbonne, avec son sonotone. Il aurait pu entendre ce qui se passait. Donc, quelque chose de plus calme. De plus calme, oui, si vous voulez bien. Et composé par qui? Quel est ce calme? Falaise. Ah, falaise. Du haut de la falaise, voilà. Soyons calmes. Relativement rapidement, les affaires nous appellent, le trésor est vide, les musiciens n'ont pas été payés depuis 6 mois au moins, et nous allons chercher quelques écus chez ceux qui payent encore l'impôt. Ne le dites à personne. Pour tous pour un! Chargez! Ouais. Ah.
Non, vous le dites, une fouine, je dirais. Ah. Oh mon Dieu! Il se relève, le bougre! Souvenez-vous de notre cher Alexandre Dumas et de son très célèbre D'Artagnan. Sauf que la botte secrète, elle a été inventée à l'époque de Dumas, au 19e siècle. Pour Sa Majesté, Louis le 15e, le bien-aimé, moi, Très bien. Ah, la province, c'est quand même autre chose que les bas-fonds de Versailles. Ils n'ont même plus traversé Paris, sauf de nuit à bride abattue. Très bien. J'annonçais le capitaine Jackson. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui s'y présentent verront, salut. Nous avons donné congé, pouvoir et commission au capitaine Jack Sparrow, commandant de la... Allez, commandant du Black Pearl. Vive le roi. Vive le roi. Voilà. Jusqu'à demain. Et vive moi. Finalement, nous avons pu procéder à quelques petits spectacles qui, nous l'espérons, vous ont plu. Nous avons pour ce faire rassemblé un certain nombre de costumés pour essayer de vous faire assister à ce qu'on peut appeler une après-midi grand siècle.